Alexis, on va préparer la dictée de mots du son E. Ok. Alors, c'est parti. Des cheveux. Ok, comment ça s'écrit cheveux? Juste cheveux. C-H-E-V-E-U-X. Très bien. Dehors. Comment ça s'écrit? D-E-H-O-R-S. Très bien. Alors, des œufs. Il y a une petite erreur, je pense. Tu étais bien parti, t'as effacé et t'as fait une erreur. Dis-moi quelle est la première lettre de ton mot. Ok, d'accord, attends. Ok. Alors, comment ça s'écrit? D-O-E-O-E Ok, très bien, des œufs. Effectivement, le E est pris dans le O, donc il est collé. Alors, les yeux. Comment ça s'écrit? Les Y-E-U-X. Très bien. On entend le son the, mais parce que c'est la liaison, les yeux. Peut-être. Trait d'union, E, accent circonflexe, T-R-E. Ok. Une heure. Une heure. Une heure. Alors, fais-moi voir ça. Comment ça s'écrit? H-E-U-R-E. Très bien. Ma sœur. Ma sœur. Ok. Ah. Et ben, vaut mieux s'arrêter là où tu t'étais arrêté. Voilà, très bien. Il n'y a pas de... Alors, comment ça s'écrit, sœur? Ma S O E collé O O D'accord, le E est collé au O, il est pris dans le O. Ok. Mon œil. Mon Mon œil.
Alors, le début est bon. C'est la fin qui est pas bonne. Mon œil, c'est au singulier. Donc le Y est pas bon. Les trois premières lettres, c'est bon. Il faut trouver quelque chose qui fait œil. Qu'est-ce qui pourrait faire le son « yeux » à part le « y » ? Tu veux que je te dise ? Oui. Ah, elle, elle. Ah, avant que je te le dise. C'est plus grand, on dirait un « e ». C'est un « l », ça ? Oui, je voulais faire un « l ». D'accord. Alors, comment ça s'écrit, « œil » ? Non. O. E. Collé au O. I. L. Ok. Et oui, un L après un I, ça peut faire le son U. Parfait, Alexis. Ben, c'était le dernier mot, en fait. Hein. J'ai mis Y égal L. Ah oui, mais le L, il fait U que parce qu'il y a un I devant, Alexis. Hein. Un L sans I devant, ça peut pas faire U. Bon ben voilà, on a fini la dictée des mots du son E. Tu t'en souviendras pour écrire œil pour demain? Oui. Ok.